Bonjour mes petits camarades, nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 août 2022 et c'est l'anniversaire de ma petite fille Chloé qui a 7 ans aujourd'hui. Donc bon anniversaire ma Chloé si tu regardes la vidéo de papy. Plein de bisous. Voilà, il a plu bien même hein, cette nuit, ce matin encore. Donc c'est très bien, hein. Moi ça m'empêche pas d'aller me balader, une belle rando là, il pleuviote encore un petit peu par moment là. Mais c'est bien, il faut ça, et puis il n'y a personne. Donc c'est l'Amérique, hein, comme on dit, hein. C'est la belle vie, et puis c'est tôt. Donc je progresse sur cette jolie petite route forestière, qui est bien sympathique. Vous voyez que les bordures herbeuses ont souffert de la sécheresse, hein. Donc c'est tôt, ça va faire énormément de bien à la nature. Aujourd'hui, j'ai pris un imperméable pour sac à dos, regardez ça si c'est beau. J'aime ces matins-là qui sentent la pluie, la nature, les épicéas. J'aime ces matins-là où je suis seul dans les bois. Regardez tout au fond, cette nappe de brouillard, le sol était tellement chaud que la pluie fait un petit peu évaporer cette chaleur. Regardez ça. Voilà. On ne s'en lasse pas. Ça, j'adore. De la vapeur d'eau. Et c'est ça, le cycle de la vie. Ça s'évapore, ça monte en nuage. Et ça repleut. Voilà. Une poésie. Et puis là, il y a un chant. Je sais pas trop ce que c'est. Bon, je vais recontinuer. Allez, je poursuis ma route par là. Je vais redescendre par là. Ça m'a l'air bien sympatoche. Voilà, c'est un endroit que je découvre. J'ai eu envie de prendre ce chemin-là, que je ne connaissais pas. Comme moi, je n'obéis qu'à mes envies. Regardez la belle surprise que j'ai là-bas au bout, en redescendant cette belle brume-là, qui vient coiffer les arbres. Et bien voilà, je rentre petit à petit dans... C'est pas une purée de pois, hein. On y voit quand même, hein. Mais je rentre dans ce joli brouillard. Et puis ça donne un air de film un peu fantastique. Voilà, ça c'est ce que j'aime. Un petit peu une atmosphère hitchcockienne. Bien voilà, j'ai quitté la route forestière et je prends un tout petit sentier dans les bois. Un sentier qui redescend. Donc avec la brume là-bas au fond. Là. Regardez comme c'est chouette. Ça fait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Cette pluie. Bon, je viens de retirer mon imperméable de pêcheur breton parce que je peux te dire que je transpire, hein, les copains. Ouais. Allez, je continue.